Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour sur The Lord of the Rings, Return to Moria. On s'était arrêté ici la dernière fois, on avait été visiter alors je sais plus comment ça s'appelait, mais un endroit, non pas l'antre des elfes, je sais plus comment ça s'appelait. Bref, de toute façon on va y retourner, on va continuer d'aller explorer. Ah, on a une faim de loup. Eh ben, on va se faire un petit peu à manger. Ah, j'ai pas de table de repas ici. Ah, je l'avais pas cassé. Je me souviens plus. Du coup, on va se fabriquer ça. Hop, la petite table. Du coup, je pense qu'on peut la mettre à construire près d'un foyer. Ah, ça veut dire qu'il faut que je la construise ici? Ah ouais, mais on avait construit un tout petit truc aussi. C'est quoi ça qui est à côté là? Ça là, on peut pas casser. Bah voilà. Hop. C'est comme ça que ça marche. Je sais pas ce que c'est. Alors je crois. Alors attendez. Est-ce qu'on peut. Alors non, je veux pas le lancer. On va arrêter de taper sur mon lit. J'essaie de retrouver les touches. Faut que je m'y refasse. Je crois que c'est là. Si par exemple je choisis ça. Ah non, je peux détruire. Mais est-ce que je peux. Non, je crois que je peux pas. Je crois que je peux pas déplacer. Si je fais ça, est-ce qu'il y a un truc? Non, liste, marte. Non. Non, bah c'est pas grave, on va se construire un petit peu de viande. Est-ce qu'on avait. Ah, alors attendez. Hop, voilà, une petite torche. Alors lui, on avait commencé à refaire toutes les statues qu'il y avait dans le coin. Salut Overlit, comment vas-tu? Donc, ouais, on avait commencé à refaire ça correctement. On va refaire des foyers en pierre un petit peu partout. Ça nous sera utile. De toute façon, de la pierre, on en a. Donc, on va s'en occuper. Toujours les bestioles qui courent un petit peu partout, à droite, à gauche. Hein. Eh ben, on va recasser ça. Ça, c'est de la terre. Donc, du coup, il y a un peu moins de chances de récupérer de la pierre dedans. Mais on peut quand même en récupérer. Allez, c'est vrai qu'on peut faire avec. Avec L2 directement pour bien viser. Ah merde. Alors oui, je vais regarder comment on fabrique. Pourquoi j'ai perdu de la vie? Parce que j'ai faim? C'est peut-être ça. Bon, en vrai, je vais me refaire un petit peu. Ah merde, j'ai plus de viande. Ah, des champignons! Voilà. Oui, je voulais regarder. Alors du coup, c'est. Alors c'est pas dans rudimentaire. Coffre en bois, petit trésor jardinière. Atelier de réparation. Il faut 5 lingots de fer. Alors le problème étant que lingots de fer, je crois que je n'en ai plus. Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? C'est quoi ça? Ça c'est du charbon. Morceau de peau. Ouais, j'ai pas de lingots de fer ici. Fous-moi le camp à la bestiole là. Bah du coup je vais déposer ma pioche là-dedans, ça sert à rien de la garder. Tac tac tac. Alors par contre, pourquoi c'est. Durabilité 0. Alors ça veut dire qu'il faut que je fabrique que je. Ouais, à mon avis, il faut que je répare ça aussi. Mais en vrai, on va essayer de se trouver un petit filon de. Alors déjà, je vais me refaire une pioche. Alors c'était là. Une pioche simple. Ouais, j'ai rien d'autre à faire. Donc on va faire une pioche simple. Ressources requises. Ah merde, j'ai pas de fragment de métal? J'en ai laissé dans le coffre, non? Fragment de métal. Hop, on va prendre. Et du coup, on va construire une pioche simple. Voilà, bon, on va garder les fragments de métal avec nous. Voilà, comme ça, on a notre pioche. Et du coup, on va y aller. Alors, on va reprendre, bien évidemment. Non. La torche. Alors, là, déjà, quand j'étais un petit peu dans le jeu, je ne savais pas. J'avais du mal à m'orienter. Mais alors là, c'est quoi ça? Camp porte 2. Mais non, mais c'est là-bas, moi, qu'il faut que j'aille. Je crois que c'est de ce côté-ci. C'est de ce côté-ci qu'on a l'endroit avec les arbres et là où on avait. Alors non, on n'avait pas attaqué l'ours. C'est lui qui nous avait attaqué.
C'est quoi ça? C'est du charbon. Bon. Charbon, ça nous intéresse que très peu pour le moment. Nous, on aimerait bien des trucs de... Ah, je crois qu'il y avait un chemin à gauche là. Vous savez quoi? On va aller au chemin à gauche. Il y a même peut-être un chemin à droite. Je suis allé voir. Je suis allé voir ce qu'on a par ici. Une statuette, ok. On peut casser ça? Ça me donne de la pierre, mais je suis pas certain que ça se casse. Du coup, on va récupérer. Pas l'air d'y avoir grand-chose en fait de ce côté-ci. Il y a même. Ok. Alors j'ai réaugmenté un peu le son. Je crois que j'ai entendu des gobelins. Je sais pas où ils sont. Je les entends à gauche là. Je sais pas où ils sont, mais je les entends. Non, 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 je voulais pas rajouter du combustible. Ok. Ah, on a quelque chose ici. Ah, attendez, on va aller voir en bas. La cuve de brassage, encore une fois. Ouais, il y a plein de trucs qui nous faut. Du bois de fer, machin, là, c'est tous des trucs qu'on n'a pas, ça. Donc on reviendra. Tout ce qu'on peut prendre, on prend. Hop. Bon alors, nos amis, où sont-ils? C'est quoi là-haut? Dira un nid de guêpe. Je sais pas ce que c'est. Quiet. I see prey ahead. Putain, il y a un cerf là. Bon, du coup, attends. Tu peux la ranger ta torche. Oh, il est beau. Ça, faut pas le tuer, hein. M'attaque pas, hein. Je regarde. Ah ouais, non, c'est interdiction d'y toucher à ça. Mais c'était pas des cerfs la dernière fois. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de gobelins. Alors, je sais pas pourquoi je les ai entendus. On va aller regarder un petit peu à droite à gauche si on n'a pas des endroits où on peut farfouiller. On peut récupérer, on récupère. Ok, donc il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Nous, on aimerait bien trouver un petit filon de fer. Ok. Une forge. Ah merde. Évidemment. Le fourneau. Bah, à la limite, on va le reconstruire. Comme ça, ce sera fait ici. Puis comme ça, on aura une petite zone ici. On se fera un petit feu après et puis. Comme ça, on aura cette petite zone ici. On sera pas obligé de retourner au début. Donc là, il y a du bois, à mon avis, c'était des trucs que je pouvais récupérer après. En tapant dessus, je pense qu'on peut les récupérer. Alors là. Ok, ils sont là. Ça doit être du charbon, du coup, encore, non? Bonjour messieurs! Ouais, j'ai dit, il y avait une touche pour être accroupi. Ah, j'ai plus assez de pierres. Est-ce qu'on peut les prendre en sournois? Bah, ils vont me gauler, là ils sont 4. Ils m'ont vu. Hey, lève-toi! Mais pourquoi ils se lèvent pas? Vous venez ou vous venez pas? Ça sert à rien de me tirer des flèches quand je suis là. Allez, ramenez-vous. Putain, ils ont l'air d'être costauds quand même. Oh merde. Ouais, les combats, c'est pas folichon, en vrai. Ah bon, il y en a un qui est décédé. Faire attention à notre vie. Merde, le con, j'ai pu. Oh la vache. Mais des sacrés coups, hein, les vilains. Oh non.
C'est raté. Putain, j'ai raté mon coup. Aïe! Oh putain, merde, j'ai plus de vie. Attends, on va peut-être faire attention parce qu'on va finir par crever, nous. J'ai pas quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas quelque chose à manger. Faire attention à pas se prendre une flèche. Oh la vache! Fuyons! J'ai des champignons dans mon inventaire, je crois. Ils vont pas venir jusqu'ici. Inventaire. Champignons. Vite. À la place du bouclier. Mange tes champignons. Ah mais ça me redonne pas de vie. Ah je regagne pas de vie. Merde. Ah mais je crois que pour la vie il faut se coucher. Il faut dormir. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils m'ont envoyé... Non. Je veux pas le croire. Ils vont me courser maintenant. Votre torche est éteinte, c'est pas grave. Putain, il faut se barrer et vite. On se fait courser. Putain, ils vont essayer de me bouffer, hein. Bon, on va aller dormir. Foutez-moi la paix, merde! Vous avez pas le droit de venir ici. C'est interdit. Oh là là, ils me lâcheront pas. Bon, eux, j'espère qu'ils vont pas. J'espère ne pas crever par un de ces rats, hein. Parce que là, vu que j'ai pas de torche, ils vont peut-être m'attaquer, c'est con. Elle était où ma base? C'était là. Ouais, bon, on va dormir. Hein. Quoi? Putain, mais ils m'ont suivi! Mais non, mais... Ils vont me suivre jusqu'où? Sérieusement? Je peux pas me battre là, hein, les gars. Putain, il va falloir qu'on leur casse la gueule. Ok. Oh putain, j'ai cru qu'on l'avait one shot. Pas du tout. Putain, faire attention à où on marche. Ok, on en a eu un. Ok, on a eu le deuxième. Parfait. J'aimerais bien ne pas mourir. Bah, à mon avis, on va mourir à un moment donné, hein, vu que là, on est au tout début du jeu et je galère. À mon avis, il y aura bien un moment donné où ça va être compliqué. Bon, du coup, laissez-moi aller dormir. Le rat, casse-toi. J'ai besoin d'aller me coucher. Je veux pas de rat dans mon lit. Vous savez quoi? On va se fabriquer. Hop, un petit truc de viande. Comme ça, quand on se réveillera, on pourra manger notre petit morceau de viande. Voilà, on a récupéré notre vie. Hop, puis on mange un petit peu. Et du coup, alors on peut y aller, mais d'abord, on va se refaire une torche. Torche d'appoint en bois. Qui peut être lancée. Bah oui, mais non. Ok. Allez, bon, on y retourne. On y retourne. On va retourner voir nos amis les gobelins. Par contre, ils nous ont mis bien cher, hein. Après, j'ai foncé un petit peu tête baissée aussi. On va pas se mentir. Par contre, je vais peut-être. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est ça? Non. Marteau en fer. En vrai, je vais peut-être échanger. Alors, attendez, triangle inventaire. Je vais peut-être prendre ce bouclier et l'échanger avec ça. Et quand on sera en combat. Ah, par contre, là, c'est sombre. Tout à l'heure, c'était bien, c'était pas sombre. C'est quoi tous ces trucs là qu'il y a par terre? Morceau de bois. Là, du coup, j'aurais peut-être pas la possibilité de prendre mon bouclier. Ou alors, il y aura si on. Ah oui! Merde. Ouais, bah finalement, on va peut-être garder ça. Hein. Bon, ramenez-vous là, les vilains! Vous êtes où? Est-ce que vous êtes. À mon avis, ils ont récupéré toute leur ville. Hein. Ah bah non, il y en a plus que 3.
Allez, vas-y, ramène-toi. Ok, on en a eu un. Ah, vous êtes pas très vifs, hein, les gars. Oh putain, c'est pas pour être méchant, mais. Allez, venez tous les deux là! C'est qu'il me tape quand même! Attention, putain, on a plus d'énergie. Ah, arrête de taper, tu vas finir par te faire mal. Alors, je crois que c'est. Voilà, je crois que c'est lui qu'on a commencé à toucher. Merde. Ok, il n'y en a plus qu'un. Allez, mangeaille ça le gros. Ok, bon, on en est venu à bout. Alors, mais je peux pas manger leur viande là? Oh putain, il y en a d'autres. Je sais pas si c'est la meilleure idée de venir par là. Bon, de toute façon, après. Vous êtes où? C'est bizarre parce que je les entends à côté et je les vois pas. Je vais aller voir au-dessus là. On a encore une statue. J'aimerais bien trouver un. Un truc de fer là. T'as bien en avoir un quelque part, non? Parce que là on part. Part à la recherche de quoi miner. Alors attendez, normalement. Merde. Normalement, si je fais ça. C'est où? Oh putain, on peut faire des escaliers! À construire près d'un foyer. À construire au sol. Ah merde, je peux pas. Alors attendez, c'était où du coup ce que j'avais construit une. Un palette de bois, non. Un plancher. C'est pas un plancher que j'avais construit la dernière fois. Échafaudage. Plateforme! Ah! Voyez, on peut faire ça. Et alors comment je vais faire pour grimper finalement? Si je la mets là. Je peux ou pas? Ouais. Ok, bon, c'est ouais. Putain, il y a beaucoup de bordel, hein. Bah merde, finalement ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. C'est juste deux morceaux de bois, c'est pas gênant. Bon là j'ai pas ce qu'il faut. Statuette. Ah merde, j'ai plus de place. Morceau de peau. Je peux pas manger ce chou. Manger. Voilà. Hop, j'ai pris la statuette. Tralala, voilà riche avec la statuette. Alors, j'espère que vous avez la ref, hein. Il y a eu un problème avec les textures là-bas, non? C'était bizarre. Je vais repartir. Oh, putain, on est dans un nouvel endroit là. Moi, je cherche du fer, moi, sinon. Oh là là, putain, ça m'a l'air d'être immense. Je sais pas c'est quoi les trucs en surbrillance là. Manivelle, ok. Bon, je suppose qu'il faut la mettre ici. Ok. Ah, il y a la. Ah non. Ok, donc là il y a des espèces de rouages à mettre de ce côté-ci. Alors c'est ça? Alors, à mon avis, on peut pas le lancer? C'est quelle touche que j'avais fait tout à l'heure pour lancer? Je sais plus. Mais à mon avis, il faut que je. Ah, tu peux pas. Je peux peut-être grimper? Ah oui, d'accord, faut grimper par là. Très bien. Mais alors, j'aimerais bien par contre. J'aimerais bien allumer tous les feux là. Mais je sais pas si ça reste infiniment. Hop. À la limite, je vais essayer. Combustible. Mais je sais pas si ça reste infiniment. La logique voudrait que non, bien évidemment.
Mais je ne sais pas. Ah putain, du coup, faut qu'on fasse un truc là. Pour aller placer. Alors attends, si je fais une plateforme. Plateforme. Hop. Alors, on est peut-être trop petit là, non? Ah, à mon avis. Non, non, c'est bon, ça passe. Mais là, du coup, il nous faut un truc. Réparation nécessaire. Grand fourneau. Un tuyau de rechange. Ok. Oh putain. Ça, c'est une vilaine bestiole, ça, non? C'est quoi ça? Ah, c'est les leux. Ah, des loups, crétin. Oh merde. Là, on va tout allumer. Je sais pas, ça utilise combien de combustible? Peut-être 3. On va rajouter tout ça. Hein. Par contre, je sais pas où elle est la dernière pièce manquante. Ah, bonjour les gobelins. Oh, bonjour les gobelins. Ok, ils sont partout. Vous auriez pas une pièce manquante? Pardon. Excuse-moi, excuse-moi. Putain, ils ont des... Oh! Attention, messire! Ils viennent ou ils viennent pas? Ah, ils viennent. Bon, ce serait bien qu'il crève lui. À mon avis, c'était pas. Oh putain, c'est quoi? Non, j'ai cru que c'était une impasse. Ok, on en a eu un. Ah l'enfoiré! Il est pas mort. Ok. C'est raté, l'ami. Oh putain, j'ai cru qu'il y en avait un derrière moi. Allez, viens. Ouf. Alors du coup, quand on tape comme ça n'utilise pas d'énergie. Je crois. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant. Par contre, je trouve pas la... C'est ça? Ah, c'est peut-être ça. Oh, c'est ça! C'est lourdeau! On va aller ramener ça là-bas. Profondeur 220 brasses. Mais je pense que... Oh, putain, attendez, il y a un coffre là. Pose ça! En fait, quand on donne un coup de poing, ça disparaît. Alors, par contre, une question. Comment je vais faire pour monter ça tout là-haut? La question est en droit de se poser. Ah bah, c'était ça, les espèces d'alpagas qu'on avait vues hier. Bonjour! Non mais n'ayez pas peur, je suis pas méchant. Mais comment je vais faire pour grimper? Alors par contre, est-ce qu'on peut grimper avec? Non. Ah, je peux vraiment pas sauter. Je peux pas le lâcher, bon. Ah voilà. Si je fais une autre plateforme, mais par là, genre. Parce qu'on peut pas. Ah putain, non, je pourrais pas là. Ah, je peux la mettre à... Oh! Attendez, j'arrive pas à voir où je suis. Oh, ça tombe! J'arrive pas du tout. Attends, si je la mets comme ça. Mais l'autre, elle était en jaune, la plateforme. Ah non, ça se casse la gueule. Comment j'avais fait pour que... C'est une mauvaise transparence? Ah, ou alors faut pas qu'il y ait de rouge dessus, peut-être. Mais
Mais du coup, je fais. Attends, mais je fais n'importe là. Je suis en train de construire des plateformes n'importe comment. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Mais. Vous en faites pas, je sais ce que je fais. Ça se voit peut-être pas. En fait, j'essaye de faire un truc comme quoi je peux. Putain, mais c'est où? Mais je construis pas au bon endroit à chaque fois. Je veux que ça soit à la hauteur là, moi. Attendez, parce que du coup, les escaliers, on est d'accord que je peux pas les mettre là. À construire près d'un foyer. Ou alors, il faudrait que je mette mon foyer. Il faudrait que je mette un foyer ici. Mais. Mur, petit bloc, escalier, petite colonne. Échelle de corde. Ah, mais j'ai pas ça. Parce qu'en vrai, vous voyez ce que je veux faire. Je vais essayer de gruger. Attendez, je vais prendre la pièce avec moi. Alors non, c'est ici. Tac. Ah, c'est bon là. Ah! Ok, on avance. Bon alors là par contre. Attendez, si je la pose. Non, pose là. Tu veux pas. Tu veux pas la poser, ta pièce? Voilà. Et si je fais ça? Oh putain, je suis un génie. Voilà. Oh! Oh la vache! Oh, on a foutu de la merde, mais c'est pas grave. Ah merde, du coup je suis obligé d'utiliser la pioche pour casser. Ah après attendez. Détruire avec L2. Mais pourquoi je peux pas? Moi je veux casser. Ah voilà. On récupère tout. Non, arrêtez de construire maintenant. C'est bon, ça suffit. Et ben voilà. Oh putain, merde. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Écoute, vous savez quoi? Je vais les attendre ici. Oh non, mais. Non, c'est de la triche, c'est juste que je redémarrais mon casque parce qu'il s'est éteint. Oh non! Oh, je suis pas d'accord, on n'est pas mort. Oh putain, j'ai mes affaires. Il faut que j'aille les rechercher. Ou alors, quand on meurt, on a tout perdu. Oh, attendez, j'ai peur là. Merde, c'est pas par là. Ah si, regardez là-haut. Il y a le crâne. Bon, du coup, j'espère qu'on peut aller rechercher nos affaires. Bon, après, à mon avis, ils vont camper à côté de mon sac, mais. Ah bah écoutez, première mort, mais bon. En vrai, c'est pas pour jeter la faute sur le casque, mais il s'est éteint. Il s'est éteint au moment où ça a commencé à combattre. Donc bah tant pis. Je sais pas si on a un timing pour aller rechercher notre loot. J'étais passé par là, moi? Non. Ah oui, non, j'étais arrivé de derrière là. Oh putain, vous êtes revenus les gars? Mais laissez-moi, j'ai pas d'armes. Putain, ils vont me suivre jusque là-bas. Par contre, du coup, on peut pas mettre de pause. Ah, je crois pas qu'on puisse mettre de pause. Oh la vache, je sais pas ce qu'ils me balancent, mais. Ils me suivent ou pas?
Bon, ils se sont peut-être arrêtés. On court trop vite pour eux. Désolé pour vous, les gars. Oh putain, il y en a un qui nous suit. Il y en a un qui veut pas nous lâcher. Ah, c'est bon, je crois qu'il s'est barré. Par contre, ici, il doit y avoir toute la cavalerie, non? Bah, il y a l'air d'avoir personne. Ah, comment ça, j'ai plus de place? Bah, comment c'est possible? Inventaire plein. Mais attendez, mais qu'est-ce que j'ai? Oh putain, il y en a un qui arrive. Il est où? J'ai mangé des champignons? Faut que je le laisse manger. Voilà! On a mangé tous les champignons. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Fabriquer. Ah ouais, ok, d'accord. Une pioche en acier. Lingot d'acier, bois elfique et de la peau. Grand fourneau. Lingot de fer, lingot d'acier. Le problème, c'est que j'ai rien. C'est obsédé, ils sont là-bas. C'est ça que j'étais venu chercher en fait de base. C'est ça que j'étais venu chercher et que je n'ai pas trouvé. Donc je pense qu'en fait il faut que je retourne vers les mines et que je revienne ici plus tard. Par contre je remarque que mes trucs où j'ai activé le feu là se sont éteints. Alors est-ce que ça s'est éteint parce que je suis mort? Ou alors est-ce que bah, ça s'éteint vraiment au fur et à mesure? Parce que si c'est ça en vrai ça sert à rien de les allumer. Oh putain, ils arrivent. Allez, on se retire vers nos vers les mines. Ça sert à rien de revenir ici. Ou alors on peut aller voir vraiment vers le milieu. Si on trouve quelque chose, mais là. Ah oui, il est là mon marteau. J'allais dire j'ai plus mon marteau. Si, il est là. Par contre, on a récupéré deux statuettes. Non, je me souviens pas d'en avoir récupéré une deuxième. Mais très bien. Ouais, ici, je pense pas. Ah, putain, oui, c'est celui de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'entendre? Non? Ah, les fumiers. Ah, on peut bloquer. Ah, ça bloque vraiment. Oh. Ah oui, d'accord. Donc non, ouais, c'est vraiment encore plus simple. J'ai vraiment buté un des deux là, un des trois. Oh merde! Ah! On va se battre avec ma hache. Ah oui, donc en fait bloquer ça utilise. Ah la vache, enfoiré. Putain non, ma vie. Oh! Pardon les alpagas! Oh putain, bon on va se tirer. Hein. Allez, fais une attaque. Pourquoi il me l'a retiré des mains en fait, ma hache? Ok. Comment ça, Filthy Dwarf? Tu veux que je t'aide, non? Ouais, vous avez bien de la chance. Vous avez bien de la chance que je suis pressé.
Ouais. C'est où que ça crie là? Putain, c'est l'ours? Oh oui, c'est l'ours. Non, non, arrête de crier, toi, tu vas ramener l'ours. J'ai pas envie que l'ours il vienne nous. Hein? C'est déjà fait casser la gueule juste avant. Bon, alors du coup, on a dit les mines. Nous, on a besoin de récupérer de l'argent. Donc, on va aller voir si on trouve ça. Mais t'as pas le droit d'aller là, toi. C'est interdit au cerf. Et là, tu vas pas brouter grand-chose, l'ami. T'as trouvé quelque chose à ton goût? Bah, on va le ramener chez nous. Hein. Ah, tu feras attention, c'est dangereux là. Hein. T'es pas censé aller dans le truc violet là, c'est. Ça fait mal normalement. Après, c'est toi qui vois. Bon, alors du coup, on a dit, il nous faut du fer. Alors, au niveau de la carte. Alors, déjà, je pense qu'on va peut-être aller se coucher. En vrai, on va se préparer un petit casse-croûte. Un fruit rôti. Voilà. Ça va pas nous donner énormément, mais on va se coucher, on va récupérer notre vie. Et on va partir à la recherche de. Ah, putain, on a une grosse faim là même. Je suis pas sûr qu'un fruit rôti, ça nous donne énormément. Oh, ça va. En vrai. Bon. Du coup, ouais, mon épée est brisée, mais. Il faut vraiment que je retrouve du fer. Ah bah du coup l'épée brisée, je vais la mettre ici. Puis on se battra avec la hache si besoin. On va aller chercher des filons de fer. On va rééquiper la torche. Donc là il n'y a rien. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans notre. Pourquoi il l'a. Pourquoi il l'arrange sa torche des fois? Par là. Bah par là en fait le truc c'est qu'on a l'air d'y avoir été hein, parce qu'on a fait un trou ici. Je sais pas où je vais. Ah j'aurais dû poser plein de sal. Non mais j'aurais dû poser des pleins de saloperies dans mes coffres. Attendez, on va revenir vers le début. Enfin le début. On va aller poser les statuettes qu'on avait récupérées. Et je vais poser les trucs dans les coffres. Vraiment, ça va être intéressant de poser, de se récu, enfin de se refaire de la place. Par contre, je sais pas où je vais là. Là, on a un feu de camp à nous. Camp 2, porte ouest. Ok, on y accède par là. C'est quoi ça? La roche. Très bien. Alors ça doit être notre deuxième camp. Effectivement, si ça s'appelle camp 2. Ça doit être ça. Alors forge. Ouais, c'est ça qu'on avait fait. Mais du coup, j'ai plus de fer. Ouais, il y a un coffre ici. On a pas mal de charbon, ouais. Fragment de métal. Bon, en vrai, qu'est-ce que je peux poser là? Statuette. Ah! Ok. Je vais poser ça. La clé orque. Ouais, bah, je vais la garder. Bouclier, torche. Après, ce serait bien qu'on arrive à se faire un inventaire un peu plus grand. Ce serait quand même pas mal. C'est quoi ça? C'est de la roche encore. C'est pas ouf la roche, on sent. Ah, c'est une statue? Ah merde. Refaisons une torche. Refais une torche, l'ami. Qu'est-ce qu'on a par là? Est-ce que je suis venu par ici? Je ne sais pas, mais. Ok, alors là, d'accord. Par la droite, on peut rien faire. Par contre, là à droite, on peut y aller. Ça, c'est du charbon. Les statuettes, du coup, on va les poser. On en a trois, je crois. Je crois qu'il nous en manque une.
suis allé voir par là. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça nous mène, ça? C'est encore de la pierre. Enfin, de la terre, même. Oh, putain. Viens ici, ordure. Pourquoi tu veux pas maintenir? Je tape avec quoi, là? C'est quoi qui va... Oh putain! Lis-le! Ah, espèce d'ordure. Allez, dégage. Le rat reste pas près de moi, surtout. Tu as pu le constater. Je suis d'une humeur taquine. Allez, ça dégage. Merci, au revoir. Mais là, ça nous ramène ici. Il y a peut-être plus de, il y a petit plus de filon de fer. Parce que là, qu'est-ce qu'on a vers la gauche? Comment ça, il y a un truc derrière et on peut pas y aller? Ah, peut-être par là. Je sais absolument pas où je vais. Ça se trouve, je tourne en rond et que là, je retourne vers. Vers là où j'étais de base, alors apparemment non, parce que cette statue n'est pas construite. Ah, on arrive vers là où il y avait la porte. On peut casser ça. Écoutez, on va voir. Hein. Parfait. Parfait, mais ça nous avance à rien. On peut pas monter. Ah, oh, je vais avoir encore la malédiction. Non, ça va. Ok. Ouais, c'est bien sympa l'aube là, mais. Mais là, je peux pas casser ça. Que ça me sert de faire venir ici? Vraiment. Par là on peut y aller. Bonjour. Oh, une statuette. Bah voilà. C'est ça la dernière. Très bien. Bon, on va aller voir de l'autre côté ou ça sert à rien? Ah, il y a une marque là. Non pas une écriture naine sur les marques de magicien. Mais ça, on l'a déjà. C'est tracé par autant. C'est ce qui est écrit. Nombre malfaisante gangrène cette zone. La magie des elfes est puissante là-bas. Ok. Ok, ok, ok. Par contre, il devait y avoir des gobelins là. Il y avait quelque chose qui était en train de cuire. Ouais. Bah du coup, il y a rien ici d'intéressant. Bon, eh bien écoutez, je pense que pour notre filon de fer, on peut toujours courir. Par contre, j'ai récupéré la dernière statuette. Enfin, je pense que c'est la dernière. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Et quel était notre objectif principal là? Objectif, chercher l'entrée des mines. Explorer cette partie insolite de la Moria et trouver le chemin des mines. Cette zone bloquée pourrait être mon point d'arrivée dans les vieilles mines de la Moria. Ok. Ok, donc je pense qu'en fait on a besoin de continuer d'avancer du côté bah là on était en fait juste avant. Par là-bas. Bon, je vais aller poser la statuette, puis bah en vrai, vu qu'il n'y a pas de filon par ici.
Attends, putain, mais les statuettes, elles sont où? Oh, bonjour, messieurs. Je peux vous déranger 2 secondes ou... Comment ça, il... J'arrive pas à voir s'il l'a dans les mains. Je crois que c'était pas par là, hein, les statuettes. Ok. Ça devait être avant. Je vais aller voir. Bon, on tourne en rond, on n'a pas vraiment avancé. En vrai de vrai. Alors normalement, ça doit être par là. C'est juste le temps de se repérer un petit peu. Mais ça, je pense, c'est le jeu où il faut vraiment y jouer plusieurs heures d'affilée pour vraiment se... Comment? Connaître l'environnement dans lequel on se déplace. Putain, c'est par où? Ok, c'est pas par là. Par contre, j'ai vu qu'il y a de nouveau les bestioles au fond. Ah bah non. J'ai cru. C'est par là les statuettes, hein? Oui, elles sont là, regardez. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire gagner? À ouvrir. Oh! Fragment de recette. Putain, mais j'ai pas la place pour... Oh, des lingots de fer. Ça, c'est quoi? Du saphir et des pièces. Ah, attendez, mais... C'est quoi, ça? C'est du cuivre? Non, c'est quoi? Je peux pas taper. Bon, tant pis, je crois que c'était les trucs du début, donc ça doit pas être très très intéressant. Mais pourquoi il a sa hache dans les mains? C'est la pioche que je lui avais demandé. Ok, on avait rien mis dans ce coffre. Là, il nous reste quoi? Putain, mais là, j'ai plein de choses, là! Morceau d'étoffe, de l'ambre, du charbon. Du charbon, pioche, machin. Des fientes de chauve-souris. Comment j'ai ramassé ça? C'est une excellente question. On va reposer ça. Après, en vrai, je sais même pas quoi poser et quoi prendre. Ah, c'était... Attends. On est où, là? Là. C'est quoi, ça? Minerai de fer. Putain, mais je vais les prendre. Statuette. Mais du coup, elle va où, celle-là? Statuette de Muznakan Denar. Bah, en vrai, finalement, je vais reposer ça. J'ai une deuxième pioche. Pourquoi j'ai deux pioches? Ok, bah je vais redéposer. Ah, attends, quelle est la différence entre ça? Ah, c'est du bois elfique. Ok. Du coup, c'est pareil, j'ai deux haches différentes. S'en fout. Morceau d'étoffe, on va poser aussi. Bon, on a fait un petit peu de place, mais c'est pas non plus la folie, hein. Bon, on n'a pas besoin de manger pour le moment, on ira voir après à l'autre zone. Hop. Récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Un fragment de savoir oublié. Elles sont où? Bah. Elles ont disparu. Ah, elles sont peut-être dans... On a peut-être ça dans notre inventaire. Inventaire? Bah non, c'est ça notre inventaire. Pactage d'exploration, ça c'est ce qu'on a déjà fait. Ce serait bien qu'on ait un... Ok. Donc on est toujours là-dessus. Donc ça c'est bon, on a tout fait. Pourquoi ça me met quand même 5? Ah voilà. Donc nous on en est là, chercher l'entrée des mines. Donc je pense qu'il faut qu'on continue... du côté du truc où il y avait les...
C'était la zone un petit peu ouverte là. Donc on va aller faire ça. Oh non, il y a des leux. Putain, enculé! Qu'est-ce que vous faites? Allez. Je veux pas entendre parler de quoi que ce soit, ok? Ça va bien 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des pommes. En vrai, je vais poser ça. Lingot de fer, bah, je vais garder. J'ai un peu de viande, bah écoutez le reste. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien réussir à pouvoir. Enfin, réussir à pouvoir. J'aimerais bien pouvoir construire un sac un peu plus grand. Attendez, c'est par où faut que j'aille? C'est par là? Ah oui, c'est par là. Petit peu du mal à m'y faire quand même avec la carte. Eh ben écoutez, on va essayer de tracer tout droit vers les vers chez les elfes, mais je pense qu'on va peut-être se reposer et puis manger un petit peu avant d'y accéder. Je pense que ce serait pas une mauvaise chose de faire ça. Et du coup, oui, je peux faire ma forge pour réparer mes outils. Normalement, j'en ai la possibilité. Construire. C'était là. Construire. Atelier de réparation. Qu'est-ce qu'on a en bas? Palette de bois elfique. Ah, ça peut être bien ça. On peut stocker une grande quantité de morceaux de bois. Comme ça évite de les mettre dans les coffres. Ah merde, j'ai pas assez de bois elfique. Oh, le con. Bon, tant pis. On avait dit. En vrai, non, j'ai juste mangé. J'ai pas spécialement besoin de repos. On va se manger un petit fruit rôti. Allez. C'est moi qui offre, c'est moi qui régale. Du coup, je vais quand même redéposer des trucs, hein. Je vais redéposer ça, la viande. Bah, lingot de fer, je vais poser ça ici. Ça. Et du coup, putain, c'est con parce que j'aurais bien aimé réparer mon épée là. Va pas tarder, il va falloir faire une nouvelle torche. Ça va relativement vite. Merci pour notre bon repas. Voilà, on est en pleine forme. Allez! On va essayer de tracer, d'aller tout droit vraiment. C'était quoi ça, on avait dit du charbon? Ouais, c'est du charbon. Donc ça nous intéresse que très peu. Belle roulade. On va aller tout droit. J'avais lu ça? Oui. Allez, dégage. Bah, let's go, regardez, tout droit là. On va vraiment tracer. On va aller voir ce qu'il y a au fond. Parce que la dernière fois, on était allé vers là, et en fait, on avait vu que vers la gauche. Merde. On avait vu que là, vers la gauche, il y avait quelque chose, mais. Merde, c'est pas là. Une torche. Ah, mais attendez, il y a même des trucs. Ah, mais non, c'est les catégories. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de prendre la torche là, il fait relativement jour. C'est ça que j'avais entendu hier. On dirait une espèce de mouche géante. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ça, c'est notre entrée de mine, ça, non? Qu'est-ce que c'est que ces statues? Ah, c'est les statues à réparer. Putain, là où y aller. Ah, mais c'est ça, c'est ici qu'il fallait aller. Qu'est-ce que ça nous dit?
Cérénon était tracé par le sorcier, voilà ce qui était écrit. Crétin de nain, ce qui peut être têtu et rancunier, on ressent moins l'ombre ici, car elle recule devant la magie elfique. Nulle trace de train. Gandalf. Nous entrons dans les mines. Bon, là par contre. Voilà. Ah, de la terre. Ah putain, vous êtes sérieux? Mais comment je fais pour récupérer du fer? J'en ai 5 là, mais. Faut peut-être chercher dans les coffres qu'il y a. Où ils sont. Peut-être qu'eux, ils ont. Oh la vache! Bonjour messieurs, je peux juste fouiller votre coffre? Ah, vous avez pas l'air très. C'est raté. Oh, alors dur. Voilà. Ça suffit maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre coffre, vous? Des pièces. Du charbon. Putain, mais non, mais c'est pas ouf, les gars. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? C'est encore du charbon? Ouais, c'est encore du charbon. Putain, mais je veux du fer, moi. Est-ce que ça mène, ça? Je crois qu'en vrai, il faut qu'on se batte contre les... C'est quoi, c'est un piège, ça? Non. Ah mais là on est revenu, il y avait la forge. Bon allez, vous avez bien. Ah oui, vous avez un coffre. Oh. Je vais m'occuper de vous, les gars. Ouais, c'est rapide en fait. Voilà. On n'en parle plus. Qu'est-ce que vous avez dans votre beau coffre? Ah merde, j'ai pas de clé! Oh non, mais attendez, mais du coup, c'était où le tout droit? Putain, ouais, y a un petit problème de texture parfois. Comment on grimpe? Faut que j'ai rien dans les mains? Moi, je suis censé monter. Je sais pas pourquoi ce casque il commence à s'éteindre tout seul maintenant. Je peux pas grimper là. Je vais prendre ma hache dans les mains. Alors du coup là j'ai un objectif là-bas. Et un objectif là. Mais du coup tout ça pour dire que bah j'ai pas d'endroit où je peux récupérer du fer. Voilà, on avait récupéré dans ce coffre. C'est quoi ça? De la roche. Ah, mais il y a du fer là, regardez. Je suis maudit ou comment ça se passe? Ah non, c'est parce que d'accord. Bon, on va faire notre stock de fer et puis on va rentrer. De la citrine. Je crois que j'ai tout piqué. Tout le fer possible. Et du coup, il faut que je construise. Ah, faudrait que j'arrive à faire ma pioche. Ma pioche améliorée pour pouvoir casser l'autre endroit. Mais en attendant, tout casser ici là. On va vraiment récupérer un maximum de choses. Tant qu'on est là. Ah, je suis trop bas.
Après, je pense qu'une fois qu'on aura une pioche meilleure, ça devrait être un peu plus rapide à récupérer les minerais. En tout cas, les minerais de fer, puis les premiers, là, charbon, etc., etc. Après, si jamais il y a de l'or, c'est sûr que ce sera un petit peu plus long. Mais là, pour le moment, on n'a que du fer. Et le fer, il nous en faut une pelletée. On va se faire un maximum de lingots, par contre. Hein. Regardez, ça, c'est du fer, ça, c'est du fer, c'est bien, ça. J'espère que j'ai encore de la place et que je récupère tout là. Là c'est bien. Là franchement, je sais pas combien de stacks on va avoir de fer, mais là on va être bien là. Ah là après c'est de la roche. Ça c'est du fer, regardez. Cassons le fer. Parfait. Là, il y en a plein, 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 plein. On va tout prendre, hein. Comme ça, je pourrais lancer des lingots. Récupère un peu de citrine en plus. Mais je crois, ouais, j'ai l'inventaire est plein. Là, c'est encore du fer, là. Alors du coup, qu'est-ce que je peux lâcher? Voilà. On va vraiment récupérer le fer au maximum. Non, on en a encore au-dessus. On casse ça, puis on va se rentrer à la... à notre zone. Ah, attendez. Ah, il y en a là. Il veut pas nous refaire une petite chanson? Après, on pourrait faire une plateforme pour grimper et puis ce soit un petit peu plus simple à casser. Peu de citrine, bien. Du coup, on a récupéré pas mal de pierres également. Enfin, je crois. Ok, bah écoutez, vous savez quoi? Ce sera bien déjà. Comment on remonte? Mais du coup, comment on utilise les échelles? Ah bah celle-là je peux. Mais les autres je peux pas. Putain, par contre. Par contre, hein. C'est un peu long à escalader une échelle. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Alors attendez, de où je viens moi? Ah, putain, mais je viens pas de là. Attendez, je viens d'où? Là-bas. Du coup, en fait, je suis monté pour rien, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oh non! Oui, voilà. Tais-toi! Je sais pas ce que tu parles là derrière, mais. Je suis déjà loin! Ça sert à rien de me courser après. Vous n'arriverez pas à me rattraper. Mais là, on a récupéré énormément de fer, ça c'est très bien. Je crois qu'on a 3 stacks. Ouais, on a 3 stacks et un demi-stack. Très très bien. Très très bien. Du coup, il doit y avoir d'autres endroits en fait où j'ai peut-être je suis peut-être passé juste à côté et je pouvais pas les récupérer, enfin, j'avais pas fait attention. Allez, on va retourner vers notre zone. On a combien de pierres? 41 pierres, c'est pareil, on peut reconstruire 2-3 conneries avec ça. On va remettre notre torche. Allez, tout droit, l'ami, tout droit. Allez, c'est juste après. Voilà, parfait. Allez, du coup, alors lingot de fer et lingot d'acier. Alors attendez, moi je vais regarder un truc. Ah, j'ai pas la forge ici? Ah merde! Elle est où la forge? Là. Ah, il faut 5 lingots de fer.
Attendez, parce que moi en fait ce qui m'intéresse c'est mon épée là. Attendez. Mon épée et ma pioche. Où est-ce que c'est que j'ai une forge? C'est pas là, alors faut que je revienne avant. C'est par où? C'est par là. Je vais aller à ma base juste avant. Je crois que c'était sur celle-ci où j'avais une. Forge. On va aller voir. Et puis ouais, faut que je regarde. Mais je crois que c'est l'autre matériau qu'il faut pour avoir la pioche d'un niveau supérieur. Bonjour. Non, non, t'es pas obligé de faire ça. Merde, con. T'es pas obligé de faire ça. Je voulais pas te faire de mal, moi, l'ami. Ah merde, je suis full. Je voulais pas te faire du mal comme ça. Tu l'as cherché. Voilà. Je suis un nain sympa, d'habitude. Ok, alors la forge. Du coup, épée en fer. Alors moi, c'est pas épée en fer, c'est pioche en acier qu'il me faut. Donc c'est des lingots d'acier qu'il me faut. Donc lingots, ok. Et bah vous savez quoi, je vais faire... Je vais faire ça. Et... Liste les recettes. Non. Je peux pas ajouter... Attends. Ah, je peux pas ajouter de lingots de fer en même temps. Ok. Par contre, j'ai pas de paillasse ici. Est-ce qu'on peut se fabriquer une paillasse? Un lit de camp. Peut le mettre là. Construire au sol. Bah, il est au sol là. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? On va dormir ici. On va dormir ici. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a récupéré pas mal de lingots. C'est très bien. Pour la prochaine fois, ça sera très très cool. Et du coup, hop, du coup on peut faire des lingots de fer. Je vais en faire un maximum. Et comme ça, voilà, on va se faire un petit manger. J'ai pas assez de viande. Je vais faire des frits rôtis. Et du coup, voilà, la prochaine fois on reprendra ici. Et on pourra continuer notre aventure. Et normalement, avec notre nouvelle pioche, on devrait être capable. D'ailleurs, normalement, si on fait forge. Ah, il me faut de la peau. J'en ai là-dedans de la peau. Morceau de peau. Non. Alors, c'est comment ça, juste peau? Alors, à mon avis, il faut peut-être qu'on en fasse quelque chose, des morceaux de peau. Ah, des petites bandes de peau prélevées. Ouais, je sais pas. À mon avis, il faudra qu'on regarde, mais. Avec ça, on devrait être capable de pouvoir fabriquer notre nouvelle pioche. Eh bien écoutez, merci à ceux qui sont passés sur ce live. J'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne journée. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!